Donc nous voici sur ce chemin des Cavanes pour une belle opération autour de Percussud et cette très belle association du chemin des Cabanes. Là on entend des petits bruits musicaux sur le thème de la nature, je crois, donc qui viennent argumenter à chaque arrêt. Donc en musique, c'est halte gastronomique et œnologique. Ça fait 4 ans qu'on existe sur Limoux. Alors, c'est une académie qui comporte 67 stagiaires de toute la France à Limoux. Et il y a aussi une pratique amateur les soirs, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire au stage si on n'a jamais fait de percussion. Le stage se déroule à l'Institut Saint-Joseph de Limoux, voilà, avec plusieurs concerts toute la semaine, plusieurs manifestations sur la ville de Limoux. Et l'année dernière, nous avons été contactés par l'association des Cabanes de Cournanel pour une éventuelle coproduction avec l'association sur le chemin des Cabanes. Alors nous, l'idée nous a plu, nous sommes partis à 2-3 professeurs de l'académie et nous avons conçu un parcours musical en première étape dans notre tête, et ensuite nous avons parlé aux élèves donc, pour la 4e édition, nous avons parlé à nos élèves pour qu'ils créent eux-mêmes la création musicale sur le parcours des Cabanes. Voilà, donc pour eux c'est à la fois quelque chose de nouveau, quelque chose de pédagogique, et pour nous c'est très excitant d'être dans ce lieu avec ce magnifique paysage et de jouer de la percussion et des ambiances sonores sur ce parcours. Chardonnay, limon, terroir océanique, vieilli en fût de chêne. Vieilli en fût de chêne. Voilà, 100% chardonnay. Faites semblant. D'accord. Oh, t'es pas que semblant. Hein. Merci. Monsieur.
Et pour la deuxième partie, il va y avoir un concert à 21h30 de moi-même aux percussions avec mon ami Guillaume Desk. On a un duo fusion, Vielaru et percussion, Vielaru électrique et percussion, qui va se terminer au théâtre de Magri. Voilà. Avec ensuite une buvette qui est tenue à la fin du concert pour clôturer l'événement. Voilà, pour la soirée. Merci. Bon, la communauté de communes et la ville de Limoux sont très heureuses d'accueillir Percussud et remercient l'ensemble du staff, le directeur de Sébastien Gisbert et l'ensemble des professeurs qui sont là, l'encadrement, pour la qualité des enseignements qui sont donnés à ces jeunes qui viennent d'un peu partout dans la France. Vous le savez, une des missions de la politique culturelle du territoire, c'est donc le soutien aux actions d'éducation artistique et culturelle, et vraiment en la matière, donc on peut dire que Percussud vraiment s'inscrit dans ce schéma culturel et ô combien, et on continuera donc les collectivités à suivre ce très bel événement académie, donc qui mixe à la fois ce stage et aussi donc comme on le voit aujourd'hui, comme on pourra le voir sur la fin de la semaine, un festival. Voilà, donc un très très grand merci à tout le staff, à tous les professeurs, tous les encadrants, ils sont nombreux, à tous les parents aussi qui ont bien voulu amener leurs enfants. Moi, je souhaite à tout le monde une très bonne fin de semaine et je vous invite à venir nombreux pour découvrir Percussud en Limouxin. Merci beaucoup.